أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقد وتنفرج به الخراب وتقدع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستلقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets des consultations business life, subhanahu wa ta'ala en islam. Le prophète euh, Mohammed nous a enseigné un en doigt pour faire l'istikhar. Et les grands maîtres aussi ont utilisé des versets coraniques pour faire l'istikhar, pour voir euh, de l'avenir. Euh, pas de choses qui sont inutiles. Donc, euh, la voyance est très, très importante dans les, chez les marabouts parce que même faire un travail de recherche pour une personne. Il faut voir les statuts de la personne et quel nom de Allah s.w.t. il lui faut et quel genre de travail il lui faut. Si l'état d'une personne est sale ou bien si la personne est bloquée ou pas, il faut des consultations pour voir tout ça. Voilà pour qu'à certains puissent utiliser des choses beaucoup, beaucoup, mais ne voient pas des résultats. Toujours, il faut faire des consultations. C'est très, très important. Consultation en petit sacrifice peut rendre quelqu'un riche. Donc, vous avez vu. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Cette méthode que je vous partage aujourd'hui, vous allez, on va travailler avec Surah Tour Nouru dans Aya 35, ce qui est Allahu Nouru Samawati Wal Ardi, masalun Lounour Hikem, Fiha, Misbahoun, jusqu'à la fin, ce qui est Wallahu Bikulishei in Alimun. C'est ça, on va travailler avec. Donc tout simplement, euh, pour faire la voyance avec, vous allez, tu, si vous pouvez écrire en ardoise en bois, c'est pas obligé, mais ceux qui veulent voir clairement, voilà, euh, et ils peuvent écrire cette versée que vous voyez sur l'écran, ils vont écrire ça. Donc euh, 99 fois sur un ardoise en bois, ce qui est ⁇ Khadja nurun wa Wakitabun Mobinun ⁇ Donc euh, ça, vous pouvez écrire ça. Voilà, euh, 99 fois. Maintenant, vous allez vous laver le visage avec et faire l'ablution. Après, d'abord faire l'ablution. Maintenant, c'est écrit que vous avez fait. Vous allez vous laver le visage avec le, la nuit, le moment que vous êtes prêt à aller dormir. Vous allez effectuer des rakats à votre choix. Maintenant, la salutation finale astaghfirullah 100 fois. Cela 100 fois. Donc, le verset Allah, samawati wal arde. Donc, vous allez lire ça. Euh, 15 fois. Voilà, vous allez lire ça 15 fois. Si vous disiez ça 15 fois, maintenant, vous allez demander à Allah, c'est que vous voulez découvrir un rêve. Tout ce qui est caché, tout ce qui vous concerne, vous, voilà, pas de choses inutiles, tout ce qui vous concerne, vous, Inch'Allah, Dieu va vous le montrer. Vous n'allez pas répéter ça pendant une semaine sans que Dieu vous montre. Ce n'est pas obligé de les faire vendredi soir. À n'importe quel jour, on peut les faire. Mais il faut le faire pendant une semaine. À n'importe quel jour, on peut les commencer. Donc, c'est parmi les secrets qui sont des braves secrets pour découvrir quelque chose qui est caché. Donc, comme je vous ai dit, les écritures ne sont pas obligées. Ceux qui ne peuvent pas faire les écritures, maintenant, vous allez effectuer des rakas. Cette versée-là, vous allez les lire chacune des rakas. Vous allez les lire trois fois, trois fois. Après la salutation finale. Maintenant, vous allez le lire 15 fois et demander à Dieu et aller dormir directement. Donc aujourd'hui, je vous laisse ici.